À tous les participants, je souhaite la cordiale bienvenue chez eux ici à Tombouctou, la cité des 333 saints. Votre présence, que je salue, est la manifestation avérée de l'intérêt que vous accordez à votre région qui est Tombouctou et à ce festival du Vivre Ensemble. Je me réjouis et me félicite de l'organisation de cette présente édition, la deuxième du genre du festival du Vivre Ensemble. J'ose espérer que ces trois jours de conférences, débats publics, de prestations musicales et de visites de sites touristiques serviront à identifier des pistes de solutions pour la sortie définitive de la crise afin de laisser la place au bon vivre et de raffermir davantage les liens sociaux, un moment distendu entre les communautés que notre pays a tant besoin. L'objectif du Festival du Vivre Ensemble est de contribuer à renouer les relations entre les populations de la ville et à créer un créneau pour les communautés autour d'un idéal commun. Pas plus tard que ce matin, en revenant de Badiné, je m'interrogeais. Tombouctou et qui? Tout est dans Tombouctou. Vous tous, vous représentez Tombouctou. Tombouctou est noir, il est blanc, il est touareg, il est soleil, il est arabe. Il est tout et cela est indiscutable. C'est en cela qu'avec une profonde conviction, je sais que Tombouctou réussira la paix. Tombouctou réussira la paix. Je n'ai pas fait un discours, je parle par le cœur. Et en cela, il est important de remercier les amis du Mali. J'en parlais avec le ministre Ben Katra et l'autre pour dire que l'aménagement est à saluer. Je voudrais tout simplement vous dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, est parrain, invité, président d'honneur. Et à la dernière minute, il nous disait tous les deux, je tiens à ce que vous portez mon message. Mon message de soutien, parce que je suis appelé à d'autres fonctions, parce que vous savez que les orientations du président nous appellent à être dans une accélération de certaines priorités compte tenu du temps et des circonstances. Nous sommes fiers d'accueillir aujourd'hui, à Tombouctou, le cœur et les bras ouverts, comme à l'accoutumée, le Mali, pour ensemble célébrer le festival du Vivre Ensemble, dans la joie et l'allégresse, mais aussi dans notre diversité culturelle. On nous a conviés à venir intervenir pour un festival du Vivre Ensemble. Nous sommes obligés de nous soumettre à ce concept. Sinon, que si on ne vivait pas ensemble, Tombouctou n'allait pas être ce qu'elle est. Oui, c'est parce que nous avons vécu ensemble, à travers les manifestations culturelles, religieuses, traditionnelles. C'est parce que moi, je passais deux nuits dans une famille à Sarekena, sans que mon père et ma mère me demandent où est-ce que tu étais. Ils savent que je suis dans une famille Paris en la mienne. C'est parce que mon éducation n'appartenait pas seulement qu'à mon père et ma mère, elle appartient à toute la communauté. C'est ce qui faisait Tombouctou. C'est parce que j'ai bu le lait d'une maman Tamashek, d'une maman Soré, d'une maman Bella, Peul, arabe, que je suis. C'est comme ça que Tombouctou a vécu ensemble. C'est parce qu'à travers certaines manifestations que nous connaissons tous, à travers les manifestations religieuses que nous avons vécues ensemble. Tu m'as fait plaire, monsieur le ministre. Absolument. Je suis particulièrement heureux et engagé au regard de cette initiative salutaire des populations de Tombouctou, au premier rang desquelles l'honorable Madame Aziza Mir Mohamed Katra, qui, en dépit du climat sécuritaire, ont tenu, grâce à ces retrouvailles, à donner un nouveau cliché au nord de notre pays, et particulièrement Tombouctou. C'est assurément là un cliché de l'espoir et de l'espérance, au bénéfice encore une fois d'une forte résilience communautaire. Parce qu'ici,
à Tombouctou, les populations de différentes ethnies ont, de tout temps, vécu en harmonie et en symbiose à travers l'union entre elles qui a fortifié les relations familiales, j'en parlais. Le festival Vivre Ensemble vient donc à point nommé pour davantage renouer les relations entre les populations de la région de Tombouctou et promouvoir le vivre ensemble. Nous adressons pour cela notre profonde gratitude à la direction du Festival du Vivre Ensemble, qui a initié ce projet avec comme invité spécial de l'édition 2018, le Festival au désert de Sakane. Je rappelle cet adage bien connu, je cite, « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. » Fin de citation. Monsieur le gouverneur, honorables invités, mesdames, messieurs, c'est sur cette note d'espoir, monsieur le gouverneur, que je déclare lancer les activités du festival Vivre Ensemble, pour lequel je souhaite plein succès en attendant d'autres initiatives du genre. Vive le Mali un et indivisible, vive la République laïque et démocratique, vive l'unité dans la diversité, engageons-nous pour un Mali réconcilié où chacun compte. Merci de votre aimable. Tout simplement pour montrer que Ibn Battuta est venu au Mali en 1353 et il a trouvé que le Mali est un état idéal. Il y a des écoles coraniques. On peut laisser la marchandise au marché sans garder. Personne ne touche à cette marchandise. Vraiment, il a loué et il est venu sous Mansa Suleiman et il est retourné au Maroc. C'est lui, le premier imam d'ici depuis 1440. Il était parmi les premiers professeurs qui ont enseigné à Tombouctou avec Mouadib Mohamed El-Kabari, un grand savant de Kabara. On l'appelle le saint patron de la ville. On croyait qu'il était le plus instruit, mais il a écrit « Si Mouadib Mohamed El-Kabari et moi, je vous dis quelque chose, dans l'islam, il vous dit le contraire. » Ne me demandez pas, c'est lui qui a raison. C'est le vivre ensemble. L'un est blanc, l'autre est noir. We'll be right back.
Chaque Sorai a son Touareg. Chaque Touareg a son Sorai. Chaque Arabe a son Sorai. Donc c'est ça, vivre ensemble. Et ça, Tombouctou a connu ça depuis des milliers d'années. Actuellement, c'est le vivre ensemble que nous vivons ici à Tombouctou. Et celui qui veut évidemment s'en rendre compte, il n'a qu'à aller sur le marché de Yogutao. Il verra. Il ne pourra même pas avoir un chemin pour passer parce qu'il y a le brassage. L'aménagement est devenu une partie de la famille de Tombouctou. L'aménagement et les femmes travaillent tous pour un même but unitaire, le retour de la paix au Mali, au profit des populations maliennes. Dieu merci, aujourd'hui, tabarakallah, on est très bien à Tombouctou, il n'y a plus de problèmes entre les gens. Un Bambara qui quitte Kaï, on est obligé de le recevoir ici, parce que la ville de Tombouctou est une ville d'hospitalité. C'est un spectacle qu'il faut vraiment voir et vivre. Notre devoir, c'est de réaliser les droits de ces populations à la paix. L'année dernière, avec l'accompagnement de l'aménagement, il y a eu un festival qui a regroupé plusieurs communautés. Et cela vraiment a été positif dans la mesure où les communautés ont commencé à revivre le temps passé où il y avait ce vivre ensemble. Nous sommes en train aujourd'hui, ensemble avec l'aménagement, de préparer le festival du vivre ensemble. Ça permettra aux communautés de Tombouctou, toutes ethnies confondues, de se retrouver, de discuter autour pour la paix, pour la cohésion sociale. C'est ne serait-ce que discuter encore, c'est une opportunité pour eux. Parce que dans la culture tombouctouane, quand les gens se retrouvent et qu'ils discutent, ils évacuent beaucoup de écarts, beaucoup de méfiance qui existent entre les communautés. Et l'organisation de ce festival va contribuer à coup sûr à cette cohésion qui a fait derrière la fierté de Tombouctou. Le festival est à Daswakol, à Sidoua Cheggan, à Sened Bambaratan, à Sened Hatan, à Sened Kaltamacha, à Sened Daraban, à Wafuka Derti, à Kayem, à Dylan, à Tsun, à Ktouan Timbit Koutanibda. Ça nous donne du baume au cœur parce que quand tu vois ça, tu n'as plus de soucis. Et on se dit que vraiment, on n'est pas loin en tout cas de ce que nous cherchons, la réconciliation entre les cœurs et les esprits. Nous sommes avec fierté engagés à côté de Tombouctou. Ce n'est pas la première année d'ailleurs. En 2017, c'est la MINUSMA qui avait annoncé et lancé cette initiative. Et la satisfaction est de voir qu'aujourd'hui, c'est le Mali et la jeunesse de Tombouctou qui a repris ça et l'a repris avec un très franc succès. L'initiateur de ce festival Vivre Ensemble. C'est mon discours. Nous devons continuer notre charge. Nous mettons avec vous. Nous devenons des simples citoyens. Vive la paix. Vive le pays. Je vous remercie. Chers festivaliers, le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l'ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s'ignorer ou de se nuire. You may be different.
Les gens d'ici, vous voyez comment est-ce qu'ils sont heureux. Ils sont heureux oh, ce soir, je sais pas, demain soir, hier soir. Parce qu'ils ont quand même quelque chose, on dit, sous les dents. C'est des jeunes, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des vieilles, c'est des vieux qui sont toujours dans leur petite maison, tu vois. Et si tu leur donnes l'opportunité de venir aujourd'hui dehors pour venir faire, tu vois, souvent respirer, on dit. Parce que la musique, ça change tout. Donc, pour moi, ça fait un plaisir. Yeah.